Des symboles tracés sur papier, sorte de dessin parallèle tiré de la cosmogonie BT, ethnie de l'artiste multidimensionnel Bruly Boisbry. Quelques esquisses des 448 signes composant l'alphabet BT, un syllabaire et une écriture que l'homme, né en mars 1923 à Zépréguier, dans le département de Daloa, voulait africain. Cette expression, c'est dit. Si tu veux vieillir dans le monde, il faut être bon. L'œuvre littéraire et artistique de Bruly Boisbry, toute une philosophie qui obéit à un seul principe, faire connaître le monde. Et dès 1948, il se consacre à la rédaction de son syllabaire. Il fait déjà des émules. Voilà, notre chou, c'est l'arbre. Là, c'est la figure. On était dans le même quartier, à Marcory. J'étais seule à la maison pour passer mon temps. Je partais rendre visite à mon oncle. Et je suis allée chez lui uniquement maintenant pour apprendre cet alphabet. 28 janvier 2014, Bruly Boisbry traverse le pont. D'aucuns diront qu'il est décédé. Lui-même définissait autrement la mort. Quand l'homme quitte la terre, il va dans un monde où les morts se regardent, se parlent. Mourir, c'est aller dans un autre endroit. Frédéric Bruly Boisbry est donc allé dans un autre monde. Son héritage reste cependant impérissable. Des centaines de manuscrits et des représentations de ses créations dans tous les grands musées du monde. Le poète, le dessinateur, le philosophe, l'encyclopédiste, l'artiste, le guide religieux, bref, l'homme aura œuvré utile pour la connaissance du monde.